Bienvenue, bienvenue dans ce moment de retour à vous-même, dans lequel ma voix va vous accompagner pour que vous puissiez vous poser intérieurement dans un espace de calme, de sécurité, accueillir de nouvelles ressources, réactualiser de nouvelles ressources, réactualiser des anciennes ressources en vous, pour mieux être et mieux vivre dans votre vie, au quotidien. Alors je vous invite, si vous le souhaitez, à baisser le rideau des paupières en conscientisant votre véhicule sacré, votre corps physique, qui est installé là où il est à cet instant. Quel que soit l'état de votre corps physique, goûtez à sa présence. Offrez-lui, à votre corps physique, votre regard bienveillant, un regard neutre, un regard qui contemple comme vous contempleriez des œuvres d'art dans un musée, des arbres dans une forêt, des fleurs dans un jardin. Voilà, vous contemplez votre corps physique avec votre regard intérieur, tout en sentant que cela respire en vous. Sans rien vouloir changer, sans rien vouloir modifier. Juste en devenant pur accueil, pure écoute, pur ressenti. Et même si des pensées circulent dans votre esprit, vous les accueillez, ces pensées, et vous les laissez circuler. Contemplation des pensées qui circulent dans le ciel de votre esprit. Contemplation des sensations qui peuvent être là dans votre corps. Contemplation des émotions qui circulent au cœur de votre être. Tout en sentant que cela respire en vous.
accueillir, accueillez même les sensations dans votre corps. Que ces sensations soient agréables, neutres ou désagréables. Accueillez, contemplez simplement, tandis que cela respire en vous. Ce qui est, est là, ce qui n'est pas là, n'est pas là. Comme si votre corps vous parlait d'une certaine manière, avec les sensations, avec les pensées qui circulent, avec les émotions qui circulent. Et simplement, vous vous rendez disponible à l'écoute, quoi qu'il se passe dans le monde extérieur, quels que soient les sons à l'extérieur. Vous revenez à l'écoute de vous-même, avec davantage de tendresse, si vous le voulez bien, pour tout ce que raconte là votre corps, votre être, votre cœur, votre âme, votre esprit. Acceptez, acceptez d'accueillir l'ambiance qui est là en vous. Que vous ayez la sensation d'avoir une vibration faible ou haute. Accueillez. Sans forcément nommer ce qui est là, juste de prendre vraiment conscience de ce qui est là en vous, de ce qui se vibre en vous, de ce qui se ressent en vous, de ce qui parle en vous. Sans rien vouloir changer, sans vouloir juger du bien fondé ou non de ce qui est là, juste vous accueillir. Vous ressentez, vous comprenez. Oui, vous vous laissez comprendre du cœur même de votre profondeur l'ambiance qui est là en vous. Pour la ressentir vraiment. En sachant que les ambiances ne font que se transformer. Ce sont des climats, des transformations. Ça ne durera pas. Et puisque ça ne durera pas, accueillez à cet instant pleinement ce qui est là, ce qui veut vous parler en vous, ce qui a besoin d'aide en vous. Accueillez, accueillez. En sentant que cela respire en vous.
Accueillez vos peurs, les doutes. Oui, accueillez les peurs, les doutes, les incertitudes. Accueillez les interrogations. Accueillez les résistances. Accueillez. Accueillez même les joies profondes, les inspirations créatrices, les sources d'émerveillement. Accueillez. Accueillez vos aides intérieures, énergétiques, célestes. Accueillez vos solitudes. Accueillez vos désillusions. Accueillez. Accueillez les souffrances. Accueillez vos libertés. Accueillez les renoncements nécessaires. Accueillez. Accueillez, voilà, tout ce plomb qui est là en vous. Ou peut-être accueillez déjà tout cet or qui est là en vous. Comme si vous ramassiez des feuilles dans une forêt en automne ou dans un jardin. Vous ramassez ces brassées énergétiques qui ont besoin de se transmuter, de s'alchimiser. Accueillez comme entre vos bras intérieurs toutes ces énergies qui ont envie, besoin de se transmuter. Comme un jardinier bienveillant, une jardinière bienveillante, qui reconnaît la beauté de toutes ces feuilles anciennes, si ce sont des brassées de feuilles symboliquement, que vous récupérez entre vos bras intérieurs.
Reconnaissez avec votre regard intérieur, oui, tout ce miracle de la vie qui fut. Tout ce qui en son temps fut utile, nécessaire. Miracle de vie, beauté, magnificence. Expression de vie. Respirez, respirez en conscience, tandis que vous accueillez entre vos bras intérieurs, oui, toutes ces brassées d'énergie lourde. Qui ont envie ou besoin de se laisser être transmutés, transformés, câlinés, bercés, aimés, reconnus. Vous n'êtes pas toutes ces émotions anciennes. Vous n'êtes pas toutes ces croyances anciennes. Vous n'êtes pas tous ces comportements anciens. Vous n'êtes pas toutes ces sensations anciennes. Vous n'êtes pas toutes ces matières. Respirez, respirez. La respiration en vous est reliée au souffle sacré, au divin, à votre âme, à votre sagesse intérieure. Le souffle en vous est là, toujours là, qui vous relie aux fées, à votre magicien intérieur, magicienne intérieure, au magicien céleste. Votre souffle est relié à l'énergie vie. Tandis que dans vos bras intérieurs, accueillez toutes ces énergies qui souhaitent se laisser être transformées, transmutées, mourir de leur belle mort. Pour que vous puissiez pleinement renaître autrement, là, sur la terre, confiné sur la terre, confiné dans cette incarnation, dans vos corps physiques, habitant dans vos villes, dans vos maisons, habiter est déjà d'une certaine manière être confiné. Et pourtant là, vous y êtes libre, libre de respirer, libre de rêver, libre d'imaginer, libre de ressentir. Dans cette liberté, vous y êtes
au cœur de votre être créateur. Accueillez votre souffle. Accueillez la lumière qui circule dans votre souffle. Laissez votre souffle circuler en vous, lumineux, chaleureux, aimant, bienfaisant. Laissez circuler votre souffle en vous, bienfaiteur, tandis que vous continuez de tenir entre vos bras intérieur, ces brassées d'ancienneté qui souhaitent être recyclées par vous. Et vous avez le temps, il y a le temps. Accueillez le souffle lumière. Connectez-vous à l'énergie vie. Même si ce qui veut se transmuter entre vos bras souhaite être transmuté, se déconfiner pour se reconfiner autre part, accueillez le souffle en vous, souffle lumière. Sans urgence, sans précipitation. Le souffle en vous est votre autorité naturelle. Le souffle lumineux en vous est gorgé de l'énergie des divinités, des fées, des anges, des archanges. Le souffle en vous est gorgé d'amour. Inutile de vouloir aller trop vite dans le recyclage de l'obsolète. Prenez votre temps. Cela respire en vous. Souffle lumière. Que vous intentionnez de laisser aller dans tout votre être. Tandis que entre vos bras, vous bercez les énergies en souffrance, les énergies en voie de transmutation, les énergies en voie de déconfinement ou de confinement pour à nouveau déconfinement ou tout autre. Accueillez, respirez. Dans ce moment de pure éternité, dans ce moment de pure créativité, dans ce moment de pure liberté, accueillez.
ressentez, imaginez que le souffle lumière vous imbibe, vous entoure, vous câline, vous caresse la joue, le visage, vous caresse le dos, le devant du buste, les jambes, les bras. Une lumière qui connaît vos désirs et vos besoins. Une lumière qui connaît vos forces et vos fragilités. Lumière sacrée, lumière divine. Une lumière qui connaît votre potentiel. Une lumière qui est en lien avec le contrat de votre âme dans cette incarnation. Votre âme qui a décidé de venir s'incarner dans votre corps, dans cette incarnation, pour que vous soyez là, vivant, vivante, à cette période du millénaire, pour y déposer vos qualités, votre énergie qualitative, vos qualités, pour avoir un impact qualitatif, positif, inspirant. Où vous êtes, où vous passez, où vous passerez, et même virtuellement. Imaginez que cette lumière est l'énergie, oui, des fées, des magiciens, des magiciennes, les merlins, les merlines. Comme si vous pouviez sentir que vous devenez vous-même telle une baguette magique, là où vous êtes installé à cet instant. En respirant tranquillement. Comme s'il y avait des milliards de baguettes magiques sur la Terre, qui, tout comme vous, se recentrent, méditent, mettent le focus sur plus d'inspiration, d'inspirant. Et dans vos bras, il y a ces brassées d'énergie qui peuvent être prêtes maintenant à être transmuté. Alors, grâce à votre imagination créatrice, envisagez que vous cheminez sur une route, un chemin de montagne qui monte en pente douce, un chemin tel le chemin de Compostelle, tel un chemin de pèlerinage. Tandis que vous cheminez sur ce chemin en portant dans vos bras ces brassées d'énergie qui disent oui à la transmutation. Et vous montez ce chemin qui va vous mener vers un plateau, là-haut, un plateau. Bien sûr, dans vos bras, cette charge énergétique peut vous sembler lourde, de plus en plus lourde.
et pourtant vous montez. Inspirez par l'énergie de lumière, vous montez. Pèlerinage intérieur. Vous savez qu'au bout du chemin de la transmutation, il y aura davantage de soulagement, de liberté, de créativité. Une énergie vitale renouvelée. Un nouveau rééquilibrage. Ce plateau là-haut sur la montagne vous attend. Il y a là-haut, sur cette montagne, sur ce plateau, une montgolfière. Qui attend votre venue? Une montgolfière qui a comme principal rôle d'attendre que vous confiez dans sa nacelle cette charge énergétique que vous avez entre les bras et que vous allez pouvoir déposer dans cette nacelle, dans ce lieu si large, si inspirant pour vous. Accueillez, accueillez. Laissez être, laissez faire tout ce qui monte depuis votre inconscient pour nourrir d'expériences inspirantes ce voyage intérieur, pour que vous puissiez déposer ce paquet énergétique au cœur de la nacelle de cette montgolfière, sur le plateau en haut, là, de cette montagne, sous la protection de vos guides et de la lumière. C'est comme si vous offriez là à la montgolfière, non point une offrande, non point un sacrifice, non point, mais un cadeau de ce qui fut fort utile par le passé, un cadeau de ce qui vous a aidé à développer tant de qualités par le passé. Ces qualités sont là en vous, même en confiant ce cadeau énergétique à la montgolfière. Respirez consciemment, en conscience. Souffle toujours lumineux, encore lumineux en vous. Accueillant les images, les sons, les sensations. Dans cette rencontre avec cette montgolfière,
dans ce pèlerinage intérieur. Dans un recueillement profond et fécond pour la globalité de votre être et pour le plus haut bien de tous les secteurs de votre vie. Et pour le plus haut bien du plus grand nombre. Confiez, confiez tout ce cadeau énergétique à la montgolfière. Oui, cadeau. La montgolfière emportera dans quelques instants ce précieux cadeau énergétique là où il y aura besoin de recevoir ces énergies qualitatives contenues dans ce cadeau, là où il y en a besoin. Car tout comme vous aviez reçu par le passé ce cadeau qui vous avait permis de déployer des qualités, des ressources, ces qualités sont là en vous aujourd'hui, eh bien vous faites circuler ce cadeau tel un don que vous offrez là où il y aura besoin d'apprentissage pour déployer ces fameuses qualités que vous avez su cultiver en vous et garder inconsciemment ou consciemment et présente là, déjà là encore, à chaque cycle de votre respiration. D'autres charges énergétiques peuvent continuer d'aller se glisser au cœur de la nacelle de cette inspirante montgolfière. Entourée par les fées, les magiciens, les magiciennes, vos guides, les guidances célestes, tandis que peut s'alléger en vous. Être soulagé toutes les parts de vous qui sont prêtes à être allégées.
vous savez que vous allez pouvoir aider la montgolfière à s'élever dans les airs et surtout à voyager là-haut, là-haut, et se rendre là où cela sera bénéfique pour le plus grand nombre, ici ou ailleurs, là-bas ou encore là-bas. Alors, l'archange Michaël vous rejoint. L'archange Michaël vous confie son épée de lumière pour aider à trancher tous les liens qui retiennent cette montgolfière au sol terrestre. Tandis que vous respirez tout tranquillement, contemplant le voyage de la montgolfière qui va retrouver là-bas, là-bas, les espaces qui vont lui permettre de délivrer ses cadeaux énergétiques là où il en aura besoin. Au-delà même de l'horizon des événements, oui, au-delà même de l'horizon des événements. Respirez, accueillez. Accueillez ce qui est là, accueillez ce qui monte, accueillez. Laissez être, laissez faire, laissez advenir ce qui monte. Pour le meilleur de la globalité de votre être et de votre vie. Respirez, respirez en accueillant tout ce qui est là, qui monte en vous, qui se déploie, se dépose simplement et agréablement en vous. Quoi qu'il se passe, accueillez, laissez être, laissez circuler, laissez faire, en respirant consciemment.
Et dans ce paysage intérieur, découvrez, découvrez, grâce à votre imagination créatrice, un autre engin volant là-bas, qui a l'air de vous attendre, un merveilleux engin volant. Peut-être une montgolfière, peut-être un tapis volant. Peut-être toute autre forme d'engin qui vous permettra, oui, dans quelques instants, d'aller voyager avec, dedans, dessus. Depuis une toute autre atmosphère intérieure. Libre, libre d'expérimenter la continuité de votre voyage avec une nouvelle ambiance intérieure. Vous, oui, humain, âme divine incarnée dans ce corps, confiné sur la terre, et pourtant libre, libre de voyager, libre de créer, libre de vous émerveiller, libre d'apprendre, libre de comprendre, libre d'aimer, libre de recevoir le meilleur. Ressentez que vous êtes appelé par ce nouveau moyen de locomotion, de communication. Depuis un autre espace de vous-même. Et vous vous installez en parfaite sécurité. Entouré de vos guides, des anges, des archanges, des fées, des magiciens, magiciennes, et déjà ce véhicule peut commencer à naviguer en toute sécurité, en toute liberté, tranquillement, dans un rythme doux, agréable, juste, à cette époque du millénaire, sur cette terre, autour de cette terre. Goûtez à ce voyage que vous vous permettez de continuer en étant porté par l'énergie de la vie, au-delà des jugements, au-delà des limitations, pour vous réouvrir à une nouvelle liberté, vous réouvrir à un nouveau ressenti de joie profonde, intime, féconde, pour aider toutes les énergies à se rééquilibrer, que les fleurs redressent leur tête, que les arbres redressent leur tronc et leur feuillage et déploient leurs merveilleuses branches, quelles que soient les saisons. Accueillez, goûtez, ressentez à chaque cycle de votre respiration. Là vous emporte ce voyage intérieur, porté par l'onde lumière de votre respiration. Souffle divin, souffle sacré. Vous,
Enfant du sacré, enfant divin, accueillez. Goûtez le meilleur pour vous à chaque cycle de votre respiration. Goûtez, imaginez, sentez que ce véhicule-là dans lequel vous êtes fait corps avec vous, vous faites corps avec lui. Tout comme avec votre corps physique, vous faites corps avec lui, vous êtes en lui, il est en vous. Et vous devenez tel un oiseau, voguant librement dans l'étendue vaste et en toute liberté du ciel, de l'air. Et où que vous naviguiez en tant qu'oiseau, là, sur et dans l'air, vous êtes chez vous, libre, aimé,
retrouvant davantage de paisibilité joyeuse, de joie paisible. Pour reprendre tous vos aises, librement. Toute votre envergure, toute votre amplitude. Oiseau, vous êtes vous conduisant à bon port. Cheminant à votre rythme. Imbibé de créativité sacrée. Inspirante. Libre de voguer au cœur de l'air, en solitaire ou en groupe, ressentez votre liberté de choix. Inspirez la lumière, expirez la lumière. Oiseau, vous êtes, et vous savez que vous allez pouvoir vous laisser doucement atterrir sur cette terre fertile, comme pour aller vers un paysage merveilleux de la nature qui vous attend là. Pour que vous déposiez votre nouvelle empreinte pleine de qualité, accompagnée de vos guidances célestes, pour trouver dans le quotidien de la matière une nouvelle entraide d'alliés terrestres, reliés de cœur à cœur, d'âme à âme, d'être à être. Vous atterrissez en toute sécurité, en toute liberté. Et vous savez que vous êtes, oui, de passage sur cette terre, et à la fois, oui, confiné sur cette terre. Confiné au cœur de votre corps, tout comme vos pensées sont confinées dans votre esprit, et à la fois circulent librement. Vos émotions, confinées en vous, et à la fois qui circulent librement.
Alors de retour sur cette terre stable, féconde, en toute sécurité, à votre rythme, ressentez que vous revenez chez vous, dans votre lieu de vie, pour y amener, y déposer une substance vibratoire qualitative, énergétisée à la plus haute vibration de votre cœur, de votre âme, de votre sagesse intérieure. Vous ramenez de ce voyage dans votre lieu de vie une nouvelle qualité vibratoire inspirante, inspirée. Tandis que vous sentez que cela respire en vous, simplement, harmonieusement, autant que cela peut être en vous là, et même plus encore. Là, juste là. Ressentez, ressentez que vous faites partie de ces oiseaux de bon augure et que vous vous dirigez et dirigerez vers de nouvelles situations, expériences lumineuses, inspirantes, beaucoup plus faciles et fluides à vivre pour que votre sérénité intérieure émane de vous, depuis un esprit tranquillisé en vous, pour libérer davantage votre créativité issue de votre cœur, durant ces jours qui vont venir, durant toute cette saison et les saisons à venir. Pour offrir une énergie qualitative à vous-même et autour de vous, dans le concret de la matière et même virtuellement, en cercle concentrique, en onde concentrique, énergétique, tout autour de la Terre. Pour votre plus haut bien et pour le plus haut bien du plus grand nombre, et de la terre elle-même. Goûtez encore quelques instants cette énergie qualitative que vous laissez rayonner en vous et autour de vous, là, à chaque cycle de votre respiration, consciemment ou inconsciemment.
Et vous sentez votre corps physique nourri d'énergie vibratoire. Votre corps que vous sentez être sur ce siège sur lequel vous êtes à cet instant. Âme divine incarnée dans ce corps sacré, précieux qu'est votre corps. Retrouvez peut-être le sentiment de gratitude à cet instant pour la vie qui est là en vous, pour vous qui êtes vie. Et vous savez que dans quelques instants, vous rouvrirez les paupières pour retrouver le monde autour de vous et aller vaquer à vos occupations avec et depuis cette nouvelle énergie qualitative. Alors vous retrouvez votre respiration à cet instant. Vous qui êtes là, installé sur ce siège, dans le lieu qui est là autour de vous. Alors vous retrouvez même le lieu autour de vous avec votre regard intérieur. Et vous ressentez la densité de votre corps physique, la fluidité des mouvements, notamment du mouvement du souffle. Retrouvez un goût amoureux pour la chair de votre corps physique, votre moelleux, le moelleux de la vie, jusque sous les plantes des pieds. Retrouvez les chairs, le moelleux, jusque dans les paumes de main, les fessiers, le dos. Le devant du buste, le visage. Retrouvez le goût de la chair, du moelleux. Vous êtes moelleux, quoi que vous en pensiez, quel que soit ce que vous voyez de votre corps, le moelleux de la vie. Alors, vous allez pouvoir doucement vous étirer en prenant plusieurs grandes inspirations. Comme si vous déployiez vos ailes d'oiseau, un être de chair, d'os, de muscles, de fluide. Et les paupières s'ouvrent quand vous vous sentez bien là. Bienvenue dans ce nouveau moment.